message, déjà, je voudrais remercier le groupe de louanges, de tous les chants étaient pile poil dans j'étais hyper excité, donc merci pour votre Thank you for the worship team this morning. You guys did a great job with all the right songs. Et d'habitude, pendant les temps de louange, je regarde un peu mes notes, mais j'étais tellement bien, j'ai dit, ok, on s'en fiche des notes, on va rentrer dans la présence de Dieu, c'était tellement bon. I was so blessed by the presence of God. Thank you to the whole team. Et j'aurais aussi félicité Pasteur Robert et Pasteur Catherine pour leur petit enfant. Donc il s'appelle Joshua. Our grandson's name is Joshua. Un nom prophétique, amen. It's a very prophetic name, amen. Alléluia. Et justement, le titre de mon message. Now, the title of my message today is this. C'est ne néglige pas et saisis-toi de ton héritage. Do not neglect your inheritance. Ne néglige pas et saisis-toi de ton Take héritage. Take hold of your inheritance. Amen. 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 Let's pray. Alléluia, Seigneur, je te remercie pour cette matinée. Thank you for this morning, Lord. Je te remercie, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de venir dans ta présence. Thank you for this great privilege of coming into your presence. Et merci Seigneur pour ce prix que tu as payé pour chacun d'entre nous. Thank you for the price that you paid for each and every one of us. Pour que nous soyons appelés fils et filles du Dieu très haut. So that we would be called the sons and daughters of the Most High God. Et Seigneur, nous le sommes. Lord, we love you for that. Merci Seigneur pour cette grande famille. Thank you for this family. À laquelle nous appartenons. That we belong to. Merci Seigneur pour ce royaume. Thank you for this kingdom. À qui nous appartenons. That we belong to as well. Et merci pour ton fils qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. And thank you for your son Jesus who is the King of kings and the Lord of lords. Et Seigneur, nous languissons après ton retour. Nous languissons après ton royaume. Lord, we just long to see your kingdom and we long to see your return upon the earth. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que ton règne vienne, Seigneur. As we were singing, let your kingdom come. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Let your will be done on earth as it is in heaven. Dès maintenant, Seigneur. Starting now. Dans nos vies, au travers de nos vies. In our lives and through our lives. Car c'est à cela que nous avons été appelés. Because that's what we have been called to. À manifester ton royaume. To manifest your kingdom. À proclamer ton règne. Proclaim your kingdom. Par nos paroles, par nos vies, par nos pensées. Through our words, through our lives, through our thoughts. Par chaque cellule de notre être, Seigneur. And through every fiber of our being. Que notre être entier, Seigneur, ce matin, dise que ton règne vienne. Your church raises its voice this morning to say, let your kingdom come. Merci Seigneur pour ta parole qui nous transforme ce matin. Thank you for your word that transforms our lives. Ta parole qui nous positionne comme des fils et des filles du Dieu très haut. Your word that has placed us as sons and daughters of the Most High. Ta parole qui nous transforme et qui nous positionne comme des héritiers. Your word that transforms our lives. Co-héritiers avec Christ. Co-heirs with Christ. Avec cette conscience de l'éternité. With the conscience and awareness of eternity. Avec cette conscience du corps dans lequel nous appartenons. And awareness of the body to which we belong. Ton église, Seigneur. Which is your church. Nous sommes membres des uns des autres. We are members of one another. Collés aux uns et aux autres comme des pierres vivantes. To one another like living stones. Et plus fort que jamais, Seigneur. Stronger than ever. Car ensemble. Because it is together. Remplis de ton amour. When we're filled to overflowing with your D'abord love. Les uns pour les autres. First of all for each other. Et pour ce monde qui se meurt. And for this lost and dying world. Faisons partie, Seigneur. We are all du plan que tu as pour cette saison. Of the plan of pour God cette for génération. This season and this generation. Et Seigneur, en tant qu'Église, nous répondons présent. So as your church, we say, here we are. Nous répondons, Seigneur, envoie-nous. We are ready. Send us. Nous savons qu'il y a un prix à payer. We know there's a price to pay. Et nous sommes prêts à payer ce prix. And we are ready to pay the price. Pour la gloire de ton nom. For the glory of your holy name. Hallelujah. Yes. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus we pray. And everybody said. Amen. On n'aurait pas dû faire un peu d'amour. Pourquoi ton Dieu? Tu vas te calmer. C'est des bugs un peu partout aujourd'hui. We are going to get all of this. De toute façon, le message est sur mon portable et j'ai encore un. So I have a message plus, in my phone and in my heart. So even if I lose my notes, no big deal. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Vous êtes content d'être là? Are you happy to be here today? Amen. Mm-hmm.
très content d'être là au milieu de vous. I am too. I'm so happy to see you. Et j'ai vraiment un message qui brûle à l'intérieur de moi. Je sais que j'ai des notes que je ne suis pas. On va voir où ça va nous emmener. Now I have such a message burning in my heart. I won't have time to say it all, so we're just going to let the Holy Spirit lead us. On dirait que c'est de plus en plus comme ça. J'ai plein de trucs à dire, donc on va voir. That happens to me more and more often. I plan all these things, and then God says, "This is the way to go." Mais voilà, le Seigneur a quelque chose qui brûle dans son cœur déjà avant de brûler dans le mien. The point is this: God has something burning on His heart, so He's made it burn. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous motiver ce matin. And I believe God wants to motivate each and every one of you today. Et nous positionner en tant que peuple de Dieu. And position you as the people of God. Avec un nouveau regard, une nouvelle perspective sur qui nous sommes. With a brand new perspective, a brand new image of yourself, who et, you are. Et sur la place que nous avons en tant qu'enfants de Dieu sur cette planète. And a new perspective of our place on this planet. Dans cette génération. In this generation. Comme j'ai prêché il y a à peu près deux dimanches. About two Sundays ago, as I had the occasion to share with you. Vous vous souvenez lorsque j'ai abordé le livre d'Esther. Remember, I was quoting from the book of Esther. On avait vu que Dieu nous a voulu pour ce temps particulier. And we understood that God had placed us here and now for such a time as this. J'espère que vous avez retenu cette parole. I hope that qu'elle word pas partie, still living in your heart, that didn't disappear somewhere. Mais qu'elle est vraiment dans votre cœur. Okay. Dieu me veut pour ce temps. God wants you for this time. Dieu m'a voulu pour ce temps. God desired you for this time. Pour préparer la venue du Seigneur. To prepare the return of the Lord. Pour que le règne de Dieu soit manifesté. And so that the kingdom of God would be manifested through us. Dès maintenant. Starting now. Et jusqu'à son retour. Until the day that He comes back onto this planet. Amen. Bon, comme je disais, le titre de mon message, c'est « Ne négligeons pas et saisissons-nous de notre héritage. » So, the title is « Do not neglect and grab a hold of your inheritance. » Donc forcément, dans l'héritage, il y a deux aspects à aborder. So, when we talk about inheritance, there are two things to talk about. Le premier aspect, c'est l'héritage qui nous a été transmis. The first one is the inheritance that has been transmitted or imparted to us. Et le deuxième aspect, c'est l'héritage que je vais transmettre. And the second aspect is the inheritance that we will send forth to the next generation. Et nous devons être conscients qu'en tant qu'enfants de Dieu, as a child of God, we need to be very aware of both. Nous avons tous reçu un héritage de la part de notre Père. We have all received an inheritance from our Heavenly Father. Le problème, c'est que bien souvent, on n'est pas conscient. The problem is, too often we're not aware of that inheritance. On n'est pas conscient de la valeur de cet héritage. We're not aware of its value. Et même des fois, on fait des compromis, on fait du grand n'importe quoi avec ce précieux héritage. And sometimes we do all kinds of compromise and unexplainable things with that inheritance. Et l'Église n'a pas compris que nous sommes la famille de Dieu. Why? Because the church has simply not understood that we are a family of God. Et comme Jésus, nous sommes venus nous occuper des affaires de notre Père. And we as a church are called to take care of our Father's business. Donc je sais que dans les temps que nous vivons, c'est très à la mode. Et même dans l'Église, on prêche ça. Même moi, j'ai prêché ça. You know, I've preached this before and I know it's pretty much in fashion to preach such a message. Il faut atteindre ton rêve, il faut atteindre ta destinée. You need to pursue your dreams, you need to pursue your destiny. Tu as un rêve, vas-y, fais tout ce qu'il faut pour atteindre ton rêve. If you have a dream, then do everything you need to do to fulfill that dream. Yep. You there? Il faut accomplir ton appel. You've got to fulfill your calling. C'est quoi mon appel? So what's my calling? Et qu'en est-il de l'héritage que tu as reçu? What are you doing with the inheritance that you have received? Qu'en est-il de ce grand héritage que tu as reçu de la part de ton Père céleste? What are you doing with this huge inheritance that you received from your Heavenly Father? Qui a placé vraiment un appel sur chacun d'entre nous. He who has placed a calling on each of your lives. Cet appel, c'est de s'occuper des affaires de notre Papa céleste. Listen, that calling is take care of your Father's business. Et alors, quand nous avons conscience que nous occupons des affaires de notre Père céleste, when we finally become aware of the fact that we are to take care of our Father's business, alors ce n'est pas compliqué de poursuivre l'appel de Dieu sur nos vies. It's not that complicated to pursue the calling of God on your life. Je n'ai pas dit que ça sera toujours facile. Now, I didn't say it was going to be easy all the time. Mais ce n'est pas compliqué à comprendre. But it's not a difficult thing to understand. Souvenez-vous de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Remember Jesus in the Garden of Gethsemane?
Dans un temps de pression. He was under great pressure. Dans un temps de grande opposition. And opposition and resistance. Qu'est-ce qui n'a pas fait dérailler le Seigneur Jésus? What? Everything came against him to take him off of God's plan. Il savait qu'il était venu pour un but. However, he knew that he came for one specific goal. Accomplir son rêve sur la terre. Accomplish his dream on the earth? Non. S'occuper non. des affaires de son père. Take care of his father's business. Et au plus fort de l'opposition. Even in the face of adversity. Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? What was the thing that came out of Jesus' mouth at that time? Alors qu'il était oppressé. He was under this intense pressure. Et qu'il était avec cette bataille dans ses pensées. He had this battle raging in his thoughts. En ce moment, s'il n'y avait pas un autre moyen. He even asked, is there another way? D'accomplir ce rêve que Dieu avait mis dans son cœur. To accomplish the dream that God the Father put in his heart. S'il n'y avait pas un autre moyen de payer un prix un peu moins élevé. Is there another way to get it done without paying such a price? Mais le Seigneur Jésus s'est repris, il a dit, c'est mon Père, non pas ma volonté. But then he got hold of himself and he said, Father, not my will, but your will. Mais que ta volonté soit faite. Let your will be done. Au plus fort de l'adversité. Even in the midst of adversity. Car nous allons traverser de l'adversité. Believe me, you and I are going to go through adversity as well. Nous avons besoin de savoir que ce n'est pas notre petite affaire, notre petite vie. We need to understand it's not just about having this little life. Mais c'est quelque chose de plus grand que notre petite affaire, notre petite vie. It's a lot greater than just our little life. C'est les affaires du royaume. Because we are concerned c'est with les affaires de notre Papa céleste. Things of the kingdom, the things of our heavenly Alors, kingdom. Alors oui, nous pourrons dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. So all of us can say, not my will, quel que soit le prix. Whatever it costs. Amen. Hallelujah. Nous sommes sur Terre pour nous occuper du business de notre Papa Céleste. So you and I are here on this planet to take care of our De cette entreprise familiale. He has actually given us his family business. Et je crois qu'il est important pour connaître la volonté de Dieu dans notre vie. It is important to know God's will for your life. De mettre en perspective trois éléments importants. And there are particularly three aspects that are very important. Premièrement, se positionner par rapport au corps. First of all, you need to know your position in the body. Par rapport au corps de Christ, par rapport à l'Église. I'm talking about the Church of Jesus Christ, the body of Christ. Non seulement l'Église dans un sens général, l'Église universelle. Not just the universal church. Mais aussi l'Église locale à laquelle nous appartenons, cette famille d'Église. But also the local church, this family to which we all belong. Nous sommes membres des uns des autres. The Bible says that you and I are members of each other. Et je crois qu'il y a un grand mal dans notre Église, en général, dans l'Église du 20e siècle, 21e siècle. And what I notice in the church of the 21st century is this... C'est qu'on est trop influencé par la pensée du monde. Is this problem. The people of God are too influenced by the thought. Où chaque personne veut s'accomplir. Every person wants to accomplish their own will, be prosperous and succeed. Chaque personne a une vision étriquée de sa destinée, de sa vie. Every person has a very narrow view of their destiny. Qui n'est pas comprise dans le grand contexte de l'humanité. And they haven't understood that their destiny is part of a larger destiny. Mais qui est contenue dans la petite fenêtre de sa petite vie. They're just happy to look out the tiny little window of their tiny little life. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans l'Église. But that should not be the case in the church. La volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. The will of God for each and every one of us. C'est que nous fassions partie d'un corps, que nous faisons partie d'un corps, que nous en soyons conscients. Is to be active members of a living body and be aware. Chacun d'entre nous, nous sommes des pierres vivantes. We are living stones. Et c'est ce qui fait l'Église de Jésus-Christ. That is what is creating the Church of Jesus Christ. Et c'est un grand mal que le diable a réussi à infliger dans le cœur de certains d'entre nous. Unfortunately, the devil has sown negative seeds in that regard. Qui n'ont pas conscience de ce grand dommage d'être séparés du corps. And so many people are now detached or separated from the body of Christ. Même, j'ai même en tête des chrétiens de notre église. You know, I even
would often think of brothers and sisters who used to be part of this church. Qui se sont séparés du corps. They chose to separate themselves from the family. Pensez pour des bonnes raisons, mais c'est des mauvaises raisons de se séparer. And they think it's for a good reason, but in fact, it's not a good reason. Et je sais qu'aujourd'hui, ils sont toujours séparés du corps, ils sont même pas dans un autre corps. And they are still isolated. To this day, they're not part of the church. Et ça, c'est vraiment une arme diabolique. And I really consider that as a weapon. Le diable veut toujours isoler. That is diabolical because the devil wants to isolate. Amen. Yep. Amen. Et on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns et pour les autres. But Jesus said they will recognize that you are my disciples by the love that you have for one another. Tout seul, tu pourras peut-être aller plus vite pour un temps. Now, all alone, you can probably run faster for a time. Mais ensemble, on va plus loin. But together, we go much further. Et on bâtit quelque chose qui dure. And we build something that will be durable. Et qui dure pour l'éternité. That will last for eternity. Et ça, c'est mon deuxième aspect. That's the second aspect I want. Premièrement, avoir cette conscience qu'on fait partie d'un corps. Number one, be aware that you are part of the body. Number two. Deuxièmement, qu'on travaille pour l'éternité. Work with your eyes fixed on eternity. On ne travaille pas pour des choses temporelles. We are not working for things that are temporary. La volonté de Dieu, c'est pour bâtir quelque chose qui dure. Because God's will is for us to build something for eternity. C'est de porter du fruit qui dure éternellement. And to bear fruit that remains for eternity. Amen. Amen. Qui se concrétise dans des hommes, dans des femmes. Fruit that can be seen, that is visible in men and women. Dans des enfants. In children too. Qui font partie du royaume de Dieu. Because we are part of the kingdom of God. Troisième aspect à prendre conscience, le royaume de Dieu. This is the third thing we need to be aware of. We are part of a kingdom, the kingdom of God. Nous faisons partie du royaume de Dieu. We are all part of the kingdom of God. Avec ses principes. And we live by its avec ses lois. And its laws. Qui sont complètement différentes de ce que le monde est en train de vivre. And the laws and principles of the kingdom are so different from those of the world. Et nous devons être fiers de ces principes et de ces lois. We need to be proud of those principles. Et être hardi. And be bold. Sans aucun compromis. Without compromise. Pour proclamer ces lois et ces principes. To proclaim loud and clear the laws and the principles of God's kingdom. Quelle que soit l'opposition. No matter what kind of opposition. Quel que soit le public. No matter what kind of public we find ourselves. Nous serons une voix pour la justice. We are a voice of righteousness. Nous serons une voix pour la vérité. We are a voice of truth. Yes. Et tu peux me supprimer. And you can do whatever you want to me. Tu peux me dire que je n'ai pas le droit. You can even try to tell me you don't have the right to say that. Tu peux faire les pieds dans le mur. I don't know that expression. You can threaten me. Non, tu peux faire des pirouettes, des galipettes. Si okay, you can insist that I do somersaults. Ça ne m'empêchera pas de prononcer des paroles qui sont selon le royaume de Dieu. That will not hinder me from declaring the word of the Lord. D'être une voix and to be his voice. Audible. An audible voice. Pour cette génération. In this world. Amen. Amen. Autre chose pour le corps. Être conscient du corps. Quelle est ma place? Coming back to the body. The question you ask is, what is my place in the body? Quelle est ma place dans le corps? What is my place in the body of Christ? Quel est mon héritage? What is my inheritance? Qu'est-ce qui m'a été transmis? What has been imparted to me all this time? Rappelez-vous deux aspects dans l'héritage. And don't forget the two aspects of inheritance. Ce que j'ai reçu. What I have received. Et ce que je veux transmettre. And what I'm going to be giving on. Et chacun d'entre nous, frères et sœurs, doit être conscient de ce double aspect de l'héritage. Each of us, brothers and sisters, need to be aware of that double aspect. Ce qui vous a été transmis par les générations précédentes. What we've received from preceding generations. Et ce que nous allons transmettre. And what we will be imparting aux générations qui future. Vont nous suivre. Generations. Et forcément, nous allons faire prospérer ce qui nous a été transmis. And also learn how to make what we received prosper. C'est un peu comme cette affaire, bien souvent on voit à la télévision des entreprises familiales. You've seen this principle in family businesses. Et on voit qu'il y a toujours un enfant ou des enfants qui prennent à cœur l'héritage. The father has created a business and maybe one or two of his children have it on their heart. Surtout les entreprises prospèrent.
Especially if the business is Et je vois qu'il n'y a rien de plus beau que ça. There's nothing more wonderful than that. De transmettre de génération en génération. To be able to impart to the next generation. Et que la génération suivante devienne meilleure que la génération précédente. Amen. In the hope that the next generation will do even better. Et que le fruit, que l'entreprise grandisse, prospère et soit en bénédiction pour là où on est placé. And the family business would grow and prosper and be a blessing. Et c'est ça la volonté de Dieu pour son Église. That's what I'm talking about. That is God's will for His church. Et c'est pour ça qu'il est important, frères et sœurs, qu'on ait conscience de ces deux aspects. That's why we need to be so aware of these two aspects. Faisons partie d'un corps. First of all, we're part of a body. Nous avons un héritage. And we have an inheritance. Et nous transmettons un héritage. And we impart that inheritance. Amen. Amen. Et d'être conscient que même si le Seigneur, par exemple, nous envoie quelque part. And if, so let's say the Lord sends us somewhere. Et ça peut arriver, surtout dans des églises apostoliques. That can happen because, especially in apostolic churches. Où le Seigneur va te former, va te façonner, va te coller. You might be in a church for a time, for a season. Tu vas te frotter avec les frères et sœurs. To be trained and to rub elbows with your brothers and sisters. Et peut-être qu'à un moment donné, il va t'envoyer. And the time may come when God says, okay, now you're ready, I'm going to send you out. Mais tu sais, le Seigneur aura toujours préparé un successeur avant de t'envoyer. But before he sends you out, he will always prepare a successor. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vide. There's no holes, there's no empty spots. Je veux pas dire c'est la volonté de Dieu de partir et de te laisser un vide. You're not going to hear God say, okay, it's time to go, and then what you're doing has a hole, as a space. Peut-être que c'est vraiment la volonté de Dieu pour que tu partes. Now it may be God's will for you to be sent out. Mais c'est peut-être pas le temps. But it might not be the timing. Parce qu'il faut que tu aies un temps de préparer Because ta succession. You are called to prepare your successor before you. Rappelle-toi même quand Judas avait dévié, l'un des douze. Remember one of the 12 disciples who betrayed Jesus? Après la résurrection. After the resurrection. Après l'ascension. After his, he went. Les apôtres se sont réunis et ont dit c'est pas bien que sa place soit vacante, soit vide. The 11 remaining apostles said it's not good for his place to be empty. Donc la conscience du corps. So they were aware of the body and how it functions. Il s'agit pas de ma petite vie. It's not just about Il s'agit pas de mon petit appel. My little world. Il s'agit des affaires de notre Papa Céleste. No, we're talking about our Heavenly Father's business. Amen. Amen. Alors oui, si le Seigneur va envoyer des personnes de cette église, parce que c'est une église apostolique. So yes, the Lord may send people from this church onto the into missions because. Mais il va toujours préparer un successeur. But before they leave, he will always indicate and prepare. Avant que tu sois envoyé, pour pas que la place soit vide. Amen. So before you're sent, so that your spot will not be empty. Parce que ta place est importante. The role you play is important. Amen. Tu fais partie du corps. You are part of a body. Tu es un membre important. You are a member. Et quand tu n'es pas là, ça se voit. And when you're not here, ça se sent. We feel it. We Et know c'est plus dur. It. And it makes it much harder. Amen. Amen. Come on. Three. Oh, il y a 15 messages dans ces notes. I'm getting all these messages. I must have 15 messages to preach to. Okay. Comment on fait ça? Être conscient aussi que le temps court. Nous sommes une église avec un Dieu qui s'occupe des générations. Amen. This is the other thing. We are a church that we know God is interested in generations, right? Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans la parole de Dieu, des fois, c'est... quand on tombe sur les généalogies. I don't know if you're like me, but when I get to my Bible and I start reading genealogies. Surtout dans le livre de Chroniques, tu dis mais ça finit quand? Especially in the book of 1 and 2 Chronicles, like, wow, this is so long. How many names? En plus, des noms qui sont imprononçables. And then I can't even pronounce the names I'm reading. Mais Seigneur, quand même. Et puis tu recommences dans Roi, dans Chroniques. Et puis... Lord, how come this is here? And then you start all over again. J'avais prévu un petit quart d'heure pour lire la parole aujourd'hui. Voilà, et elle s'est plombée déjà avec 10 minutes de généalogie. I reserved 15 minutes to read my Bible today, and all I have is genealogies. Mais Dieu est le Dieu des généalogies. But that's because God is the God of genealogies. Et il sait pourquoi il a mis les généalogies. And he knows why he puts everybody's name in the book. Pour que nous soyons conscients en tant qu'enfants de Dieu que nous faisons partie d'une famille. So that we as children Que nous faisons partie de cette génération. De génération, de génération et de génération. And that God looks a generation to generation. Qui bâtisse quelque chose dans cette terre, sur cette terre. Que nous avons un héritage. That we have an inheritance to give to the
here by accident. Par hasard. By chance. Come on. Le diable veut nous isoler. But the devil wants to isolate us. Il veut plus que ça, voler notre héritage. And even more than that, he wants to steal your inheritance. Il y a deux façons de traiter son héritage. Now there are two ways to consider your inheritance. Soit comme Jacob. You can do like Jacob did. Ça veut dire que tu peux être quelqu'un de dysfonctionnel. Be dysfunctional about it. Ton nom peut même être appelé trompeur, magouilleur. Jacob's name was the supplanter, the Mais il y a quelque chose dans ton cœur. But there can also be something in your heart. Qui sait ce qui est vrai, qui sait ce qui a de la valeur. That knows what's true, that knows what has value. Qui sait qu'il y a un prix dans le droit d'aînesse, dans le droit d'héritage. And that knows there's a price to pay for your birthright. Et même si ça paraît sans valeur dans un prime abord. Even if your birthright appears to have no value. Mais tu réalises qu'il n'y a rien de plus important que l'héritage que Dieu t'a communiqué. All of a sudden you realize that there is nothing more valuable to you than the inheritance that God entrusted to you. Et tu es prêt. And you are ready. À te saisir de cet héritage. To get a hold of that inheritance. Et à le négliger sous aucun prétexte. And never neglect it. Ou tu peux être comme Ésaü. Or you can be like Esau. Concentré sur son plaisir. What was he focused on? His own pleasure. Concentré sur son moment du moment. His own moment of happiness. Concentré sur sa dose de dopamine. His own dose of dopamine for feeling good. Au point qu'il est prêt à vendre son héritage, son droit d'aînesse. He was ready to sell his birthright. Et il est dit que même après, quand il a réalisé sa bêtise. And then when he realized his error. C'était trop tard. It was too late. Il a beau vouloir faire des pleurs. He could cry all he wanted. Dieu n'a fait aucun cas de lui. But God did not even consider him. Parce qu'il a vendu son Why? Héritage. Because he sold his birthright. Il a méprisé son héritage. He despised his birthright. Pour un plat de lentilles. For what? A plate of lentils. Pour un peu de plaisir. Temporary pleasure. Combien d'hommes et de femmes? How many men and women? Pour un instant de plaisir. For just a minute of pleasure. Mettent à la poubelle leur héritage. Have thrown their inheritance into the garbage. Mettent à la poubelle leur destinée. They have thrown their destiny into the garbage. Mettent à la poubelle le rêve que Dieu a mis dans leur cœur. They've thrown the dream of God into the garbage. Juste pour un peu de dopamine. Just for a little bit of dopamine in their system. Un plat de lentilles. Non, mais t'es sérieux? Are you serious? A plate of lentils? Ne négligeons pas et saisissons-nous de notre héritage. Do not neglect your inheritance. Grab a hold of your inheritance, brothers and sisters. Nous sommes un peuple de génération. We are a people who consider generations. Nous sommes le peuple de Dieu. Because we're the people of God. Nous avons chanté tout à l'heure que ton règne vienne. We were singing, let your kingdom come. Et ce chant résonne dans mon cœur, que ton règne vienne, Seigneur, que And ton règne vienne. And that is the cry of my vienne. Heart, let your kingdom come. Assez de souffrance. We've had enough suffering. Assez de meurtre. Enough murder in the world. Assez du diable qui détruit la vie des gens. Enough of the devil qui vole les précieuses. Seigneur, que ton règne vienne. Let your kingdom come. Le premier ordre que le Seigneur a donné à l'humanité, à Adam et Ève. The very first commandment that God gave to humanity. Dans Genèse chapitre 2 verset 26. In Genesis 2:26. Soyez féconds. Be fruitful. Reproduisez-vous. Multiply, reproduce yourselves. Rappelez-vous, notre royaume est un royaume céleste. Now don't forget, our kingdom is a heavenly kingdom. Un royaume spirituel. It is a spiritual kingdom. Chacun d'entre nous, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau. So, that means that from the time you're born again. Dieu nous a donné cette capacité de nous reproduire. God gave you the ability to reproduce yourself. Dieu t'a donné cet héritage. He gave you an inheritance. Pour que tu le transmettes à tes enfants. So that you give it to your spiritual À tes fils et à tes filles. Sons and
daughters that come after you. Alors j'entends, très bien. Ah ben moi, je vais pas me marier. Now, there are people that say, oh, I don't want to get married. Ben, j'aurai pas d'enfant. I don't want to have children. Mais t'as rien compris. You really don't understand. Je ne parle pas d'enfants naturels. Because I'm not talking about natural children today. Je ne parle pas de choses temporelles. I'm not talking about temporary things. Je parle, comme j'ai dit tout à l'heure, d'éternité. I'm talking about eternal things. D'enfants spirituels. And I'm speaking to you today about producing spiritual children. Amen. Yes. Alors peut-être que tes enfants naturels sont aussi tes enfants spirituels. Gloire à Dieu. Now perhaps your natural children are also your spiritual children. Glory to God. Mais c'est pas le plus important. But you know that's not even the most important thing. Combien d'enfants naturels on peut avoir, surtout aujourd'hui? On s'arrête 3-4. How many natural children do we have? In these days maybe families of 3 or 4. Not much more. Est-ce que tu penses vraiment que c'est ce que Dieu appelait être fécond? Do you think that's what God meant when he said be fruitful and multiply? Notre royaume n'est pas de ce monde, frères et sœurs. Brothers and sisters, our kingdom is not of this world. Nous ne travaillons pas pour les quelques années à venir, les 80 années à venir. Nous travaillons pour l'éternité. We're not just living and working on this earth for the few years ahead of us. We are working for eternity. Et en tant qu'enfants de Dieu, on peut avoir autant d'enfants qu'on veut. And as children of God, we can have as many spiritual children no as we limit. Want. No limit. No limit. Il est dit dans la parole de Dieu. Oh Seigneur. Il est dit dans la parole de Dieu. Je poussais. The word of God says this. Que Déborah était une mère en Israël. Deborah was a mother in Israel. Et la parole de Dieu est très prolifique sur les généalogies. And as we've already said, there are numerous genealogies. On a vu dans Chroniques, dans Rois et même dans le premier chapitre de Matthieu. Not just in the Old Testament, but also the first chapter of Matthew. On parle de la généalogie de Joseph. Because we're talking about the jusqu'à Jésus. Joseph, all the way to Jesus. 42 générations. 42 oui. Generations in all. Et Déborah, on dit qu'elle était une mère en Israël, on ne sait même pas si elle avait des enfants naturels. Now what about Deborah? They say she was a mother in Israel, but we don't even know if she had natural children. C'est de ça dont on parle. I'm speaking of spiritual children. Un exemple un peu plus contemporain. Let's talk about something a Et little bit more contemporary. Vous allez bien comprendre avec ça. J'ai vraiment une admiration pour une femme de notre temps qui s'appelle Mère Teresa. I have a great admiration for a particular lady of our generation named Mother Teresa. Alors j'entends certains tic 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 qui dit ah mais elle est catholique. Yes, she was Catholic. OK. All right. So. C'est ma sœur. She's still my sister. Remplie du Saint-Esprit. She's filled with the Holy Spirit. Et très féconde. And very very fruitful. Combien de fils et de filles a eu Mère Teresa? How many sons and daughters did Mother Teresa have? Je peux te dire qu'elle a eu plus de filles et de filles que nous tous réunis et ceux I qui nous regardent par Internet. She had more spiritual children than all of us put together plus those. Combien d'enfants naturels? How many natural children did you have? Alors ne me dis pas. So, don't say to me. Que tu ne peux pas avoir des fils et des filles. That you can't produce sons and daughters. Ne me dis pas que tu n'as rien à transmettre. Don't tell me you have nothing to impart to the next generation. Car tu as reçu un héritage. You have received yourself an inheritance. Et commence à regarder la génération montante. So, start to look at the generation following you. À chercher un successeur. Start to look for your successor. À t'investir dans des fils et dans des filles. Start to invest in sons and daughters. Avec ce rêve qu'ils seront meilleurs que toi. And inspire them to dream. Qu'ils iront plus loin que toi. Greater than yours. That they go qu'ils further. Seront plus forts que toi. That they will be stronger than you. Plus doués que toi. Plus compétents que toi. Plus fructueux que toi. More fruitful than you. Bien. Il faut qu'on termine. Alors, je vais terminer. I'll conclude with this.
Dieu cherche un homme. God is looking for a man. Dieu cherche une femme. God is looking for a woman. Qui ce qui est pas forcément un homme parfait, une femme parfaite. Not a perfect man, not a perfect woman. Mais qui a ce sens de l'héritage. But who has understood the meaning of their inheritance. Qui a cette conviction que Dieu l'a placé dans cette génération pour un but. Someone that has a conviction that they are placed in this time and place for a purpose. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. God is looking for a man and a woman. Dieu cherche une église. God is looking for a church. Qui veut vivre pour quelque chose de plus grand que lui. That wants to live for something much greater than just itself. Et qui n'a qu'un seul but. That has only one goal. Que ton règne vienne. That cry that says, "Let your kingdom come." Et que je sois de plus en plus fructueux pour le royaume de Dieu. Lord, make me more and more fruitful for the kingdom. Seigneur, montre-nous notre héritage ce matin. Let's pray. Father, we ask that you would show us. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Open our spiritual eyes. Afin que nous soyons cet homme, cette femme, cette église. So that we would become those men, those women, that church. Qui prend en considération, Seigneur. That takes this into consideration. Cet héritage que tu nous as laissé. This precious inheritance that you've entrusted to us. Et Seigneur, nous allons en prendre soin comme une perle de grand prix. So that we would take care of that inheritance as though it were a pearl of great price. Nous n'allons pas faire n'importe quoi avec cet héritage. And not just do anything with it, not waste it. Mais nous allons le faire prospérer. But cause it to prosper. Afin de le transmettre. In order to impart it to the next generation. À la génération suivante. Those that are following us. Et apprendre à la génération suivante de le faire aussi prospérer. So that we would teach the next generation to cause that inheritance to prosper. Afin qu'à leur tour ils le transmettent. So that after us they would transmit it to the next generation. Jusqu'à ce que nous puissions voir le lion de la tribu de Judas. Until the day that we see the lion of the tribe of Judah. Revenir avec une grande rétribution. Come back to this earth with a great retribution. Revenir pour juger. Come back to judge the nations. Mais aussi pour récompenser. And to reward the nations. Et régner sur cette terre. And to rule and reign on this earth. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Father. Kuzo brashe kila labasa. Pendant que le groupe de louanges entame un chant, the worship team is going to lead us into a worship song. On va faire un cœur à cœur avec le Seigneur, que vous soyez dans cette salle ou que vous nous regardiez par internet. And now we're going to have just a time of heart to heart with the Lord, whether you're here in this room or connected by internet. Et demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi quelle est ta volonté. And in this time of intimacy with the Lord, we're simply going to say, Lord, reveal to me your will. Quelle est ta volonté? Quel est mon héritage? Show me your will. What is my inheritance? Et comment le transmettre? And how can I impart that? Seigneur, montre-moi des fils et des filles. Lord, show me my spiritual sons and daughters. Où je pourrais me reproduire. Where I am called to invest my life, reproduce myself. Transmettre cet héritage que tu as mis à ma disposition. And impart that inheritance that you have entrusted to me to them. Hallelujah. Seigneur, nous décidons d'être féconds. Lord, today your people choose to be fruitful. Quel que soit le prix, Seigneur. No matter what it costs. Dans le nom de Jésus, nous prions. In the mighty name of Jesus.